Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man. J'espère que vous allez bien, moi aussi ça va super. Je suis avec mon frérot, il est juste à côté de moi. Il est en train de parler à au M-Pence. Tu préfères jouer avec un casque virtuel qu'avec ton meilleur ami? Arrête d'essayer de m'influencer, bon. Casque VR, c'est quand même meilleur, hein. Tu ne ferais pas comme ça, ouais. Il va bien entendre si la carte vidéo qui est affichée. Donc du coup les amis, on s'était laissé ici avec Spidey et on va faire la mission principale, je pense qu'on devait faire. Donc du coup ça charge, faut attendre. C'est moi! Je viens de voir des Donc unités du sur coup la les amis, troisième! on s'était laissé Oui, on dirait que ici ce bon vieux Herman avec Schultz est de il retour. fallait faire une mission, Shocker? Il vient pas mais d'être je sais libéré sur plus parole? quoi. Donc Si, du coup, oui, ça devait pas lui attendez, je plaire. monte juste un petit Pas peu de son. soucis, Herman est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction Donc des du feux. coup, on s'était retrouvé ici, on Après un avait tête à tête terminé les avec mon quêtes ex que j'ai secondaires sauvé des et on criminels avait fait masqués, notre nouveau maintenant, je vais costume. dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Ah Un ouais, jour comme un donc autre ici dans faut la vie aller voir normale de le Peter Shocker. Parker. Lui avec les gantelets qui fait des ondes de choc là, en jaune. Donc du coup on va aller le voir. C'est un petit peu loin. Youhou! Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser. Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jeffson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans Youhou. ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Du coup, les amis, on va essayer de rejoindre l'emplacement. Nico, t'es où maintenant en fait? Donc du coup les amis, on est ici avec le choqueur. Donc voilà. Et maintenant mon frérot, il aime bien faire des proutes. Donc il faut aider Salut, le Herman. choqueur à aider mon frérot à faire des proutes. Donc du coup voilà, faut le poursuivre. Laisse tomber, t'arrives jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Il se déplace vite aussi vite que moi. Gentil de ta part. Quoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos Ah oui, les sentiments! amis, après, j'ai oublié de vous dire. Ah, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, J'ai oublié de vous Herman! dire. Parle-moi! En fait, Ça faut soit le un minimum capturer. intéressant! Faire ça. Voilà. Parlons un peu. Couche panier. Donc ici il faut le repoursuivre. Franchement, Herman, mais cette pas fois il va pas se surmettre laisser faire. ça. Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon,
D'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus? C'est toi qui vois. Raté, mec. Ah, par contre, si tu pars de l'autre côté... Je serais mieux de m'activer. Bah ouais, C'est bon, on rattrape. Bim! T'es attaché, mec. Tu sais quoi, Herman? Bah ouais. T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Donc du coup, les amis, on a arrêté le choker. On est chaud avec The Louis Taro. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Wow! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Donc du coup, les amis, on a fait la mission avec le Choker. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Choker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-piste. Le jour se lève. Monsieur Lynn va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Donc du coup, les amis, on va faire une mission, je sais plus de quoi, en fait. Je sais plus c'est quoi la mission, exactement. Tu manges quoi, Monsieur Lee? Monsieur doit être à son bureau à 7h. Pizza? Donc du coup, les amis, on se retrouve en tant que Peter Parker. Et il faut aller voir Dr. Lee. Martin Lee, qui est une sous-merde. Donc du coup, voilà. On va lui montrer ça et vous allez voir, sa tête va directement changer. Comme par hasard. Peter, que puis-je faire pour toi? Pardon de vous déranger, Monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi? Vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable? Hey. Bon. Le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire? Non, je crois pas qu'il a eu une sorte de flashback.
Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein? Accrocheurs? Okay, donc du coup les amis, on va dire voilà la sortie. Et bon, voilà, maintenant on peut courir, donc ça va l'air pas trop mal passé. Vite. Donc du coup, maintenant faut sortir en tant que Spider-Man. Donc du coup les amis, mon frérot vient de renverser de l'ice dans le fauteuil. Il va nettoyer ça tout de suite parce qu'il aime bien le fauteuil. Il aime bien ce fauteuil-ci. Donc il va le nettoyer. Et très bien, c'est bien, il le fait bien. Maintenant mon frérot, ce qu'il va faire, il va aller en dessous de l'évier. Et il verra, il y a une petite bouteille R8 textile qui va faire pchit-pchit sur ce qu'il vient de renverser. Mais bah les steaks. On s'en bat les couilles, YouTube. On les emmerde. Donc voilà. C'est pas pour une petite marque de parfumerie qui sent bon pour le fauteuil. Hein, c'est bon. On va pas faire une petite crotte parce qu'on fait un prout. Hein. Il est où le... Là ? Ici ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, les amis, il y a... Oh, il y a deux missions secondaires qui sont apparues. Mais sur le fauteuil ? Ouais. Mais pas tout. Hein. Mais ils ont un peu partout aussi. Tu peux mettre partout. Pour que ça sent bon un peu, hop. Et voilà, c'est nickel les amis. Donc du coup, on va faire la mission annexe parce qu'il n'y a pas de mission principale pour l'instant. Faut s'occuper. Donc on va faire la mission annexe. Elle, il y en a deux, donc ça tombe bien. Là, je devrais en racheter. Ça sent trop. Ça sent franchement bon. Et ça rafraîchit un petit peu le fauteuil. C'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai donc, à ce qu'elle soit présente. Donc du coup, les amis, on est arrivé. Dis-moi que vous êtes réunis ensemble. Pas grave, moi, le truc dans la vidéo, j'ai bien dit le Ferrari. Mais c'est le temps que tu dis pas qu'il faut acheter ça. Pourquoi si tu dis acheter ça tu dis la marque. Par contre, c'est un petit peu mouillé, alors avec le... Oh, mais c'est rien, c'est un problème de fraîcheur. Carmen, oui, je vais... C'est mon mari, Rodrigo. Il s'est fait bizarrement et je viens d'apprendre qu'il voit une femme. Oh là, je suis pas le mieux placé pour gérer les problèmes de couple. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il est une de mauvaise personne et que Rodrigo est en danger. Il a peur, mais il refuse de me parler. Je peux aller jeter un œil. Vous savez quand il est censé la retrouver ? Vers le centre de désintox à Greenwich. C'est noté. Ne vous en faites pas, Carmen. Ah, ici, les amis, je me rappelle. C'est une petite enquête. Le centre de désintox est pas loin. Carmen m'a envoyé une photo de Rodrigo. Voyons s'il est dans le coin. Attendez, je regarde juste les compétences vite fait. C'est quoi ça ? Je l'ai mis dans son truc. C'est bon, il y a déjà les amis, les missiles et tout ça. Les missiles et tout ça, on sera plus embêté parce qu'on pourra les renvoyer. Donc du coup, on fonce. C'est pas très loin.
Là, c'est Rodrigo. Il a l'air nerveux. Cette femme ne semble pas être sa maîtresse. Je vais la prendre en photo. Peut-être que Carmen la reconnaîtra. J'espère que t'essaies pas d'enlever. Pourquoi je ferais ça? Si c'est ma chère que ma vie. Mauvais angle, je devrais me mettre en face. Je t'ai eu. C'est bon. Oublie pas. Parle de ça à qui que ce soit et je pédais la photo. Attendez, les amis. Attendez les amis. Thank you.
plan? C'est peut-être plus grave que je le pensais. Je ferais mieux de suivre notre maître chanteur pour en savoir plus. Carmen, je vous envoie une photo. Cette personne vous dit quelque chose? Non, je l'ai jamais vue. De quoi est-ce qu'il parlait? Je crois qu'elle le fait chanter. Elle a mentionné des plans. Mon mari travaille à la sécurité d'un casino à Atlantic City. Elle organise peut-être un cambriolage. Mais il me faut plus de preuves avant de pouvoir agir. Dites-moi si je peux vous aider. Très bien. Je vais la suivre et voir ce qu'elle fait des plans. Je vous rappelle. Donc du coup, les amis, on poursuit. Une autre victime? Ou bien un complice? Il me faut une photo. Aucun perchoir avec un bon angle pour lui, là. Nouveau. Je vais devoir me placer. Et sous la headline. C'est bon. Ouais. Dès qu'il a vu la photo, il a fait. Il doit jamais le croire. Pas trop vrai. Voir les plans. C'est exactement ce qu'il fallait. Bon, j'ai un train. Personnes sont impliquées. Il faut que je le suive. Où est-ce qu'il va? Si je me connecte au système du réseau, je devrais obtenir l'itinéraire du train. Le maître chanteur a rencontré un homme sous la headline. Il avait l'air de connaître votre mari. Je vous envoie sa photo. C'est Deshaun, le meilleur ami de Rodrigo à l'université. Il a fait de la prison il y a quelque temps pour Paul. Il a les plans d'un casino et un casier judiciaire. Pas le meilleur combo. Je dois découvrir qui d'autre est impliqué. Ils visent le casino, il leur faudra au moins un chauffeur et un perceur de coffres. Je regarde pas mal de films de braquage. Eh, je vois ça. Je vous tiens au courant de ce que je trouve. C'est une ligne express? Je dois pas perdre ce train de vue! Vas-y, loin le train. C'est le terminus! Je devrais me poster à la sortie du métro et attendre qu'il sorte. Il se dirige vers cet immeuble de bureau. Ils se mettent en mouvement. J'ai toutes les preuves qu'il me faut. J'ai plus qu'à arrêter leur voiture. Qu'est-ce que c'est? Spider-Man!
bye mec. On doit poursuivre les autres. J'adore quand un plan se déroule sans escroc. Hey Carmen, le voyage à Atlantic City du copain de votre mari et de son équipe vient d'être annulé. Merci. J'ai parlé à Rodrigo. La photo du chantage le montrait au volant la nuit où Deshaun a commis le vol. Mais Rodrigo ne savait rien. Il pensait simplement déposer un ami. Vous inquiétez pas, j'ai une amie dans la police. Elle aidera Rodrigo. Surtout s'il accepte de témoigner pour le chantage. Il le fera. Vous en faites pas. Il apprendra qu'il a plus à craindre de moi que des choses. Merci, Spider-Man. Allô ? Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien ? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps ? Mais, comme je te disais, t'as pas à t'en faire pour l'enquête criminologique. Je veillerai sur elle. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et l'avenir ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron pour te mettre. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Attendez les amis, je fais des trucs en même temps pour ça. Donc du coup les amis, on va aller faire cette mission en explo. Donc du coup, les amis,
un problème? Non, je voulais juste vous remercier d'avoir sauvé ma vie. Occupé comme vous êtes, on doit se mélanger, hein. Pas du cinéma, à l'angle de la 126e. Je viens de me dire ça au téléphone. Ah oui, 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 pardon. Eh ben, de rien. Content que votre fille aille bien. Bon, je me souviens pas du tout avoir été là-bas. Je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe. Donc du coup, les amis... Donc du coup les amis, attendez deux petites minutes. Je charge mes piles et ma clope.
de les amuser des petits trucs en même temps, c'est pas facile. Donc du coup les amis, on va continuer la mission. Voilà le cinéma et la scène du crime. Il faut que je découvre ce qui s'est passé. C'est bon, toujours en vie. Au moins, on n'a pas affaire à un justicier meurtrier. C'est déjà ça. Donc du coup, les amis... Désolé, j'arrive après la bataille. Merci de l'avoir protégé. Déjà de retour? Je croyais que vous vous occupiez de l'incendie. Oui, j'y vais tout de suite. C'était de quel côté déjà? Tout à l'heure, vous êtes parti par là? Vers le sud. Merci, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Quelqu'un se fait passer pour moi. C'est peut-être un coup du caméléon. Il faut que je le retrouve. Eh non, c'est pas un coup du caméléon. Ça sent le brûler. Il y avait bien un incendie. Voilà le bâtiment brûlé. L'incendie a été éteint rapidement. Vous êtes revenu. Je pourrais jamais assez vous remercier d'avoir sauvé mon ami des flammes. J'ai cru qu'elle était perdue. À votre service. Dites, je suis content que tout le monde aille bien, mais la fumée m'a embrouillé. Vous pouvez me dire de quel côté je suis parti? Désolé, j'ai aidé mon ami. Je crois que vous êtes remonté. Merci. Saluez votre ami pour moi. Ok. Ce mystérieux pseudo Spider-Man et de légende est trop de risque. Je dois le retrouver. Je me demande si l'autre moi a laissé des traces. Il s'est servi d'un extincteur. Quel genre de produit y avait là-dedans? Donc du coup les amis, il faut faire la combinaison chimique de ça, c'est assez facile hein. Et voilà, fini. Poudre ABC, standard et facile à détecter. Il est couvert d'une substance ignifuge. Si je règle mes lentilles sur sa signature chimique, elle devrait me conduire à Spider-Man Miles. Il marche. Pas de toile, pas de couloir. Autrement dit, il est complètement suicidaire. Suivre la substance chimique. Oh. Vous êtes le vrai ?
Doc sentent super bon. Abusez pas. J'en ai déjà donné rien. Quoi ? Il a carrément des hot dogs gratuits ? Mais pourquoi moi j'en ai jamais ? On dirait que cet homme vient de se battre. Il sait peut-être quelque chose. C'est bon là, lâche-moi ! Je t'ai dit tout ce que je savais. Le deal a lieu sur le toit, je te le jure. Ok, bah, évite les ennuis. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Eh ben, mon double a l'air plutôt doué. Il a laissé la drogue. Apparemment, on sait un. La police s'occupera du ménage. K.O. Mais en vie, ça va laisser des traces. Mais je t'ai dit que je me rendais. C'est lui. Les gens ont l'air d'aimer ce type. Enfin, moi, quoi. Oh, c'est bizarre. À votre service, citoyen. Ah, excusez-moi, le devoir m'appelle. Mais je parle pas du tout comme ça. Personne parle comme ça, d'ailleurs. Relâche-le. Compte là-dessus. Monsieur Fisk sera encore plus généreux quand on lui apportera ta tête. Oh, et doucement. Je suis pas le vrai Spider-Man. En tout cas, plus pour longtemps. Il est temps de rééquilibrer les choses. Bim! Tu es les deux. Je m'en occupe, va-t'en. Alors que je peux encore faire équipe avec le vrai Spider-Man. Sans question. Tu te débrouilles pas mal. Monsieur Noir, c'est mon dojo de Shikara. Je voulais seulement aider, la légende, tout ça quoi. Ouais, mais en t'habillant comme moi, tu hérites de mes ennemis. Et crois-moi, j'en ai des tas. Attention, il y en a d'autres. Je m'occupe de ceux qui sont armés. Occupe-toi des autres. Communauté, il y a un refuge du Fist pas loin. Je suis sûr qu'ils apprécieraient de recevoir des cours de self-défense. Bonne idée. Bah, ils sont où le reste? Casse-toi! Je m'occupe d'eux! Je vais pas me faire prier! Vas-y, rebalance un lance-roquette, fais-moi plaisir. Tada! Waouh! Ce truc de dingue! Et puis comment vous faites ça? Au coup par coup? Écoute, c'est bien de vouloir aider les autres. Mais si tu continues comme ça, tu vas te faire tuer. Ouais, j'ai vu ça. Pas de soucis, je raccroche la tenue. Il n'y a qu'un seul Spider-Man. Super. Et puis, t'as vraiment pas besoin de costume pour être un héros. Hey, c'est un bon slogan, ça. Je m'en souviendrai. Thank you.
Vous avez peut-être entendu parler du braquage à la salle d'enchères Roseman. Ce qui vous a peut-être échappé, et mes sources le confirment, c'est que les malfaiteurs portaient des masques, des têtes horribles, démoniaques. Une illustration du raz-de-marée de criminels masqués depuis l'apparition de Spider-Man. Et vous, qu'en pensez-vous? J. Jonah Jameson, vous êtes à l'entête. Ouais, je comprends ce que vous dites. Et Spider-Man, il a arrêté ses tics. Vous le rangez dans le même panier, juste pris pour ton masque. C'est un préjugé. Faux! Une petite leçon de vocabulaire juste pour vous. Préjuger une personne signifie qu'on la juge avant de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur Spider-Man. Il met la pagaille aux quatre coins de la ville. Il porte un masque pour ne pas avoir à répondre de ses bourdes et un costume tape à l'œil pour attirer l'attention sur son égo démesuré. Alors imaginons que je sois un déséquilibré et que moi aussi je veuille qu'on parle de moi dans les médias. Eh bien, je vais faire tout comme lui. Et New York, coin sa perte. Johan, 26 ans de tour, et enfin j'ai la vie 14 ans de tour. C'est ça. Très bien, on est en nerveuse. Bien sûr, on pense que ça dure. Il n'en parlera pas. Alors, d'après toi, il faut que tu tiens sur terre, enfin, de bon François. Mais d'abord, tu choisis le premier qui va chanter. Faut que tu essayes de trouver le plus rapidement possible. Et je suis sûr et certain que c'est pas Claude. Ça me semble très facile. Non, le public pense, je pense que le public a raison, ouais. Très bien. Kevin, on t'écoute, face caméra. Ce que tu veux. Alexandrie. Ah, oui. Ah, Alexandrie. C'est pas lui. C'est pas lui. Dommage. Merci beaucoup. Merci, Kevin de Compiègne. Il en reste que deux. Est-ce que Claude est Claude? Je rappelle, est-ce que Claude est Claude? Très très bien, lui. Ah, merci. On va se rapprocher, les amis. Est-ce que Claude de Compiègne, 76 ans, ou Jérémy, 14 ans, de Rouen, a la voix identique? Je rappelle, c'est vraiment identique. Ça marche comment? Chante, il a le coffre, exactement le comme un vrai animal. Est-ce que c'est plutôt. On sait à ce que vous voulez. Jérémy de Rouen. Non, c'est sur mon premier avis alors, le petit de Rouen. Tu penses que c'est Jérémy de Rouen? On va faire chanter Claude en premier. Ça va être lui, mais ça veut dire que je me serais paniqué parce que tu m'auras pris la seule personne qui s'appelle Claude qui va chanter du Claude François. Yes. Je sais pas. Mais c'est sûr maintenant. Je sais pas. Hey. Est-ce qu'on fait chanter Claude en premier? Mais ou où vous allez comme ça? Ceci vient d'être cassé, dangereux. Là, toi, il a même pas perdre. Non mais arrêtez ça immédiatement. Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Alors, comment va-t-il? Monsieur Osborne. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier cas. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses.
gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, ouais. J'essaie seulement de t'aider. Tu es libre de poursuivre ton travail. Avec une sécurité mieux encore. C'est le score. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent. Tu n'as pas changé d'un pouce. Quoi, donc ? Tiens, Peter. Arrive à rentrer de son voyage en Europe. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet par la mission. Ceci est une opportunité. C'est énormément de vibrato, donc c'est tout sur le Dark Prime et il n'y a que 14 ans et il le contrôle déjà. Ça promet, c'est bien. Est-ce que tu veux attention, entendre doucement. Mademoiselle Valéria, refrain. Ah bah, ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore. Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de rémunérer. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valéria. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Jérémy Thomas officiel, voilà, sosie vocal de Claude François, et fan de Kinvé en plus. Voilà, énorme. Énorme. Je vais laisser à la main, vas-y. Voilà, génial. Là, c'est pas bon. Merci, mon poulain, laisse repartir. Pardon, je te prends le micro. Merci beaucoup. Merci, à Jérémy. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Buck. Appeler Arlene peut-être. Lui dire de parler à son père. Non, il n'écoute jamais. On sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche. Hé, il y a une station par là. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Buck. Et réfléchir. Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir en Europe. Salut Peter, j'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci, mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Je vais faire ce que je peux pour aider. Donc du coup, les amis, il faut faire les stations de recherche si on a blindé en plus. Ça craint. D'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. Paragoutant, il va falloir qu'il traverse ces nuages. À l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Et voilà! Youhou! C'est pas mal, hein. What? Très bien ce que je récupère. Les échantillons, pas les toxines. C'est bon. Bah, le genre.
Hey. Spidey, le, tu me fais de la merde. Oh, direct, j'ai sniffé un pot d'échappement. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel.